Aujourd'hui, c'est la cérémonie de passation de pouvoir entre le coordonnateur sortant et entrant. Le sortant, c'est l'ancien Premier ministre Adolphe Mondito et l'entrant, c'est le président Martin Fayoum. Cette cérémonie va se dérouler en 4 étapes. La première étape, ça sera le mot du coordonnateur sortant, l'ancien Premier ministre Adolphe Mondito, et ça sera suivi de la lecture des actes adoptés et signés par le Présidium. Cette lecture sera faite par le porte-parole du coordonnateur sortant de la MUCA. Et va s'en suivre la troisième étape, qui sera la passation de flambeau de la MUCA par le coordonnateur sortant au coordonnateur entrant. Et la dernière étape, ça sera le mot du coordonnateur entrant. Les autres modalités de notre cérémonie vous seront communiquées à la fin. Et le coordonnateur entrant, Jean-Martin Fayoum. Évidemment, cette cérémonie forte des traditions a été précédée par les présidiums, les assises du présidium, comme de coutume. Évidemment, ces assises ont pris un peu plus de temps que d'habitude. Vous rappelez aussi que la presse a fait des commentaires dans tous les sens. Les uns des bonnes fois, les autres. Yannicky. Ils ont allé à un peu d'instrument d'annulation d'opinion. C'était tout à fait normal que nous prenions un peu plus de temps. Pour deux raisons. La première, c'était que nous sommes dans un contexte de Corona et qui fait que, de manière générale, nous n'est pas ensemble et qu'on les fait. On organise nos assises par vidéoconférence. Et comme il s'agissait des débats, c'est la deuxième raison, nous devions réviser notre convention. S'il vous plaît, monsieur de la presse. Vous dérangez un peu trop, un peu de silence, s'il vous plaît. Il n'y a pas de pas un micro ni de débat. S'il vous plaît, être silencieux. Il s'agissait pour nous de réviser notre convention. Comme vous le savez, dans ce genre de travail, il faut un peu de débat, des discussions, particulièrement pour les gens qui ne sont pas sur place et ensemble, donc ça dit nous prendre un peu de temps. Ce qui fait que nous sommes partis, je crois, du 23 septembre. Au 9 septembre. Au 9 octobre. Au septembre. Du 23 septembre au 9 octobre. Donc ça a pris un peu plus de temps. De manière globale, ça va être dit tout à l'heure par le porte-parole, nous avons changé la durée du mandat. On est passé de 3 à 9. Il fallait se mettre d'accord sur les délais, ça a pris un peu de temps. On se disait, ben, est-ce qu'on peut aller à 6 à 9, donc on s'est mis d'accord sur 6 mois. Ensuite, nous avons dit, dans le contexte actuel difficile, il faut simplifier la passation du pouvoir de manière à ce que désormais, la passation du pouvoir se fasse de manière automatique. Il n'y a plus des rituels comme c'est le cas aujourd'hui. Ensuite, on a dû décider aussi que le membre, plutôt le parti des leaders, qui sont les fondateurs de la MUCA, ce parti soit aussi membre adhérent, en attendant que les autres adhérents viennent. Ils seront soumis à un critère de réemploi. Voilà, plus ou moins, je me limite à ça, les restes vous sera dit. Aussi, peut-être pour terminer, je dirais que mon mandat à moi s'est inscrit sur les signes ou les mots de la vérité des urnes, entendu comme vérité, expression de vérité qui respecte la volonté du peuple.
Comme vous savez, les élections 2018, décembre 2018, ont débouché sur un chaos. Et nous, la MOCA, nous demandions, par rapport à ce chaos, qu'on puisse récolter le voix. C'était ça pour nous la vérité des urnes. On ne nous a pas écoutés. On a dit, mais alors qu'on puisse publier les résultats. Comme ça, on pourra voir la vérité à travers la publication, circonscription par circonscription. On ne nous a pas écoutés. Et nous avons dit, la vérité, on peut la voir aussi en organisant des nouvelles élections pour qu'on aille à la vérité des urnes. Là aussi, on ne nous a pas écoutés. Nous avons dit, bon, très bien, on ne veut pas organiser des nouvelles élections. Nous voulons des élections qui peuvent avoir lieu un peu plus tard, mais le plus tôt possible. Mais ça suppose qu'il faut passer par les réformes électorales qui concernent les élections elles-mêmes, toutes les élections, et qui concernent aussi la loi, la CU. Et le mandat, c'était faire valoir dans l'opinion et en direction de ce qu'on confisque le pouvoir, cette idée de la vérité des urnes, qui était consacrée par le plan du président élu. Pour nous, contrairement à ce qu'on a voulu faire comprendre et que de mauvaise foi, la vérité des urnes n'était plus la vérité des urnes de décembre 2018. Nous savions que le mal était fait, nous savions que le peuple est éternel. On reviendra toujours à lui pour qu'il rétablisse la vérité. C'est pourquoi nous avons dit la vérité des urnes entendue comme des réformes par lesquelles il faut passer pour que les prochaines que nous voulons anticiper, en tout cas les plus rapidement possible, et celles-là soient au moins traduites la vérité du choix de l'électeur. C'est pourquoi les combats de la MOCA, j'ai essayé de les porter de la manière que vous savez, par les conférences, par les prises de position, mais aussi par les marches qu'on a eu à organiser. On a fait le tour du pays, on a fait le tour à l'étranger. Voilà. Je peux me féliciter plus ou moins que, au moins, l'idée des réformes s'est imposée à nous tous, y compris, aussi bien dans les chefs du peuple que dans les chefs de ceux qui sont en face de nous, d'autres parties prenantes, j'entends par là, CASH et FCC, sont d'accord pour les réformes, mais la divergence entre nous, c'est quel cadre, quel cheminement. Voilà, c'est là où se situe la difficulté. Et la MOCA a donné sa communication, sa position à ces sujets. Quel est le cadre approprié? Et je m'en félicite et je félicite la lutte de la MOCA et le peuple qui a appuyé cette action. Je vais passer la parole au porte-parole pour prendre des décisions. Premièrement, la convention, la décision sur la décision concernant la division de la convention et non convention. Ensuite, les mots, pardon. Par la suite, je vais donner la parole avant. Merci beaucoup. Octobre 2020, modifions la convention du 27 avril 2019 portant création de la plateforme politique La MOCA. Et le deuxième acte, c'est le communiqué final de la réunion du Président. Je commence par lire la décision portant modification de la convention du 27 avril 2019 de la MOCA. Le Présidium, vu la convention du 27 avril 2019 portant création de la plateforme politique La MOCA, spécialement en son article 14, considérant la nécessité d'adapter l'organisation et le fonctionnement de la MOCA aux circonstances et impératifs politiques actuels, vu la nécessité de renforcer l'unité de la MOCA et l'efficacité dans ses prises de position, actions et déclarations, décide. Article 1er. Les articles 3, 5, 6, 7, 8, 11 et 13 de la Convention sont modifiés comme suit. Article 3. La plateforme La MOCA comprend deux catégories de membres, les membres fondateurs et les membres adhérents. Sont considérés membres fondateurs les leaders signataires de la présente décision et qui n'ont pas renoncé à leurs engagements au sein de la MOCA par un retrait volontaire. Sont considérés membres adhérents les personnalités
les partis politiques, les regroupements politiques, les groupements ou organisations sociopolitiques qui adhèrent à la présente convention de la MUCA. Les partis ou regroupements politiques de membres fondateurs, intellectuels ou d'un quelconque droit juridique sur la plateforme la MUCA. Le retrait des membres fondateurs entraîne ipso facto la perte de la qualité de membre adhérent à son parti ou regroupement politique. Article 5. Le présidium est l'organe de décision et d'orientation de la plateforme La MUCA. Il constitue la plus haute autorité, l'instance décisionnelle suprême de la plateforme. Il est composé de membres fondateurs. Le présidium peut inviter toute personne, membre adhérent ou pas, à participer aux réunions sans voix délibérative. Le quorum requis pour toute réunion du présidium est fixé à la totalité de ses membres. Le membre absent peut se faire représenter par un collaborateur de son choix. Les décisions et résolutions du présidium se prennent par consensus. Les activités du présidium sont pilotées par le coordonnateur en exercice. Article 6. Le coordonnateur représente et engage la plateforme La MUCA auprès de tiers. Il en est le porte-parole. Il mène des actions et ou fait des déclarations au nom de la MUCA après concertation préalable au sein du présidium. Toutefois, chaque membre fondateur ou adhérent garde son autonomie ainsi que sa liberté d'action et peut se prononcer politiquement en son nom propre à celui de son parti ou de son regroupement politique dans le strict respect de quatre axes fondamentaux de la MUCA. La coordination du présidium est tournante tous les 6 mois, selon l'ordre déterminé par le présidium. À la fin du mandat du coordonnateur en exercice, la passation de pouvoir est automatique. Elle n'est pas sujette à une cérémonie officielle. Le coordonnateur statue par voie des décisions. Article 7. La cellule politique a pour mission d'accompagner politiquement le coordonnateur du présidium dans l'exercice de ses attributions. Elle prépare notamment tous les dossiers politiques devant faire l'objet des délibérations du présidium. La cellule politique est composée de délégués de membres du présidium et de membres adhérents. Elle peut, selon le besoin, faire appel à des compétences ou à des expertises extérieures à la plateforme La MUCA, voire au sein de forces politiques composant la plateforme. Le nombre de membres de la cellule politique ainsi que le quota de membres fondateurs et des membres adhérents sont fixés par le présidium. La cellule politique est présidée par un délégué du coordonnateur en exercice. Article 8. Le secrétariat technique assure la gestion administrative de la plateforme La MUCA. Lors de son mandat, chaque coordonnateur met en place sa propre équipe de travail devant assurer la gestion administrative quotidienne de la plateforme. Le secrétariat technique assure notamment la conservation des archives. Article 11. La cellule politique se réunit une fois par mois. Elle se réunit également une semaine avant chaque réunion du présidium. Elle peut, en cas de besoin, tenir une réunion extraordinaire à la demande du coordonnateur.
Les propositions de la cellule politique sont prises par consensus et transmises au coordonnateur. Article 13. Tout manquement aux objectifs de la plateforme Lamouka par un membre fondateur ou par un membre adhérent est soumis au présidium pour traitement. Article 14. Les présentes modifications à la Convention entrent en vigueur à la date de la signature de la présente décision par les membres du présidium. Fait à Kinshasa le 5 octobre 2020, le présidium, par les leaders Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et Adolfo Mozito. Deuxième acte, c'est le communiqué final de la réunion du présidium qui s'est déroulée du 23 septembre au 9 octobre 2020. Le communiqué final contient 15 points. Premier point. Conformément aux dispositions de la Convention portant création de la plateforme Lamouka du 27 avril 2019, et suite à la convocation de la réunion du Présidium, ces derniers s'est réunis du 23 septembre au 9 octobre 2020 sous la direction du coordonnateur Adolphe Mozito. 2. Le Présidium de Lamouka remercie le coordonnateur Mozito d'avoir assuré son mandat trimestriel à la tête de la Lamouka, nonobstant le glissement de 6 mois dû au cas de force majeure imposé par les mesures sanitaires liées à la COVID-19. 3. Le Présidium a révisé sa convention du 27 avril 2019 pour adapter son organisation et son fonctionnement aux circonstances et impératifs politiques actuels, modifiant les articles 3, 5, 6, 7, 8, 11 et 13. La révision de la Convention a porté notamment sur le point ci-après. La durée du mandat du coordonnateur de Lamouka passe de 3 à 6 mois. La prise de fonction par les coordonnateurs entrants devient automatique. Elle n'est plus sujette à une cérémonie de passation de pouvoir. Le présidium est constitué de membres fondateurs, signataires de la décision portant révision de la Convention. Les partis et regroupements politiques de membres fondateurs sont désormais reconnus comme membres adhérents de Lamouka. 4. Le présidium constate que les crises à répétition connues sur le plan politique, sécuritaire, économique et social dans notre pays de 1960 à ce jour, fragilisent la cohésion nationale et maintiennent le peuple congolais dans la précarité et l'insécurité totale. 5. Le présidium condamne énergiquement l'instrumentalisation du tribalisme et du régionalisme, ainsi que les violences, les viols, les kidnappings, les massacres et les autres violations de droits de l'homme qui ne cessent de prendre de l'ampleur depuis janvier 2019. 6. Le présidium condamne avec force la présence inacceptable de troupes armées de certains pays voisins sur les territoires congolais. 7. Le présidium apporte son soutien total
au prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege, au regard de menaces dont il fait l'objet. Le Présidium saisit cette occasion pour remercier sincèrement la MONUSCO qui assure sa protection. 8. Le Présidium condamne la corruption généralisée qui a élu domicile au pays et qui perdure dans toutes les institutions de la République, ainsi que le coulage de recettes publiques érigées en système de gouvernance du pays, source d'enrichissement illicite et de l'appauvrissement de la population. 9. Le Présidium exige de réformes institutionnelles, notamment celles de la CENI et de la loi électorale. Ces réformes doivent se faire de manière consensuelle entre les parties prenantes dans un cadre paritaire. 10. Le Présidium tient au respect de l'article 70 de la Constitution qui dispose « Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Il est donc hors des questions d'envisager l'élection du président de la République au second degré par le Parlement. » Constitution, spécialement en ses articles intangibles. 13. Le Présidium lance de ce fait un appel patriotique à toutes les forces de changement et à l'élite congolaise pour le réveil de conscience de manière à se joindre à son combat pour l'avènement d'un véritable État démocratique en RDC. 14. Le Présidium a décidé de la rotation suivante pour la coordination tournante. Le 10 octobre 2020, c'est le président Martin Fayulu qui prend les commandes. Le 10 avril 2021, ça sera le tour du président Moïse Katumbi. Le 10 octobre 2021, le président Jean-Pierre Bemba. Et le 10 avril 2022, ça sera le tour du coordonnateur sortant, Adolphe Mouzito, de revenir dans les commandes, et ça sera comme ça chaque 6 mois. 15. Le Présidium de la MUCA désigne son nouveau coordonnateur pour l'exercice semestriel du 10 octobre 2020 au 10 avril 2021, en la personne du président Martin Fayulu, le félicite et s'engage à lui apporter le soutien nécessaire pour la réalisation de son mandat. Fait à Kinshasa le 10 octobre 2020, le Présidium de la MUCA, Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Adolphe Mouzito. Je vous remercie. Maintenant, c'est le tour du coordonnateur entrant. Le président Martin Fayulu dire son s'il vous plaît, un peu de silence. Je suis le coordinateur sortant et représentant les leaders de la MUCA. Et je vous salue. Et les représentants de la presse, journaliste et les représentants de nos plateformes qui sont ici, je vous dis bonjour. J'ai un petit mot. Ce mot, c'est très important pour moi aujourd'hui, de regarder l'état dans lequel se trouve notre pays. Et je mesure l'irresponsabilité des Congolais.
souligner bien l'irresponsabilité des coordonnateurs. Nous avons un pays qui nous a été légué par nos aïeux. Dieu a créé ce pays, il a donné à ses ancêtres, et puis il y a des gens qui sont venus, qui sont passés, les Lumumba, les Kasavubu, les Kimbangu et tant d'autres. Et nous, les contemporains, aujourd'hui, on voit les pays partir. Et nous sommes dans des guerres inutiles. On s'invective. Tel a fait ceci, tel a volé, tel a été corrompu. Surtout la corruption. Parce que les gens croient que, parce qu'eux sont corruptibles, que tout le monde est corruptible. La transitivité. Chers frères et sœurs, je mesure mon mot et je tiens compte de la responsabilité que nous avons tous aujourd'hui, pendant cette période. J'aimerais dire ceci à trois catégories de citoyens congolais. D'abord, aux membres de la MUCA. La MUCA, c'est la création du peuple congolais. Vous le savez, le peuple congolais nous a dit « ne nous trahissez pas ». Ayez un candidat commun. Et les leaders ont donné ces candidats communs au peuple. Et le peuple a soutenu la MUCA. La MUCA, c'est le peuple. Est-ce que ce que le peuple a donné, a créé, est-ce que c'est nous, leaders, et nos collaborateurs qui devons le détruire? Je dis non. Et c'est très important. On peut avoir des divergences de vues, ce qui est tout à fait normal dans une société, dans un ménage, dans une famille, partout. Mais quelle est notre vision? N'est-ce pas de faire de ces pays, comme Lumumba avait dit, un pays prospère, un pays au centre du rayonnement de l'Afrique tout entière, et donner la prospérité à notre pays, le développement à nos citoyens? Et moi j'ai dit, pour moi, je dois poursuivre cet objectif. Le choix des candidats communs est tombé sur moi. Le peuple a démontré aux leaders de la MUCA et à tout la MUCA que vous avez exaucé nos voeux et nous, nous allons vous prouver que c'est nous, peuple congolais, qui confère le pouvoir. Et ils l'ont fait. Il est arrivé ce qui est arrivé. Mais ça, c'est un accident de parcours qu'on doit mesurer. Nous sommes dans un combat. Un combat pour notre pays. Je le cite de temps en temps parce qu'il faut le citer. Mobutu avait dit que ce n'est pas facile d'être des Congolais. Je ne sais pas si vous savez, si on donnait une dissertation à nous tous ici, qu'est-ce que nous allons écrire? Ce pays a fait l'objet de menaces depuis longtemps, de projets de balkanisation, de projets de sécession. Et aujourd'hui, nous nous allons aisément dans ces projets parce qu'on nous dirige là et aveuglés que nous sommes, par manque de stratégie, manque de vision, on s'engouffre dedans. J'ai dit non. Moi, je vais arrêter cette hémorragie. Je vais arrêter. Je vais amener la MUCA là où le peuple a demandé de l'amener. Deuxième groupe d'individus, c'est les gens du FCC et des CACH. Ils ne sont peut-être pas ici, mais les journalistes sont. FCC et CACH. Vous avez usurpé le pouvoir du peuple. Vous le savez. Vous n'avez pas été élu. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'entraîner notre pays dans l'abîme. Et vous le voyez. Et vous le voyez parce que, surtout les membres du FCC, je peux vous le dire, que vous êtes en train d'aider Kabila dans sa mission de désarticuler les Congos, de déstructurer les Congos, de balkaniser les Congos. La balkanisation n'est pas un vain mot. La balkanisation n'est pas simplement physique. La balkanisation est plus profonde. Les gens qui ont mis en place ces projets, ils savent ce qu'ils ont mis, des stratégies, des tactiques. Vous allez à Rutshuru aujourd'hui, vous allez voir quelles sont les populations qui vivent là-bas. Si vous prenez Rutshuru il y a 50 ans, il y avait combien de Congolais? Et combien de Rwandais? Prenez Rutshuru aujourd'hui,
J'ai dit, il faut dire le bon premier défaut. Prenez le jour aujourd'hui, il y a combien de Congolais, il y a combien de Rwandais. On vous parle maintenant des Minembwe. Mais pourquoi on parle des Minembwe? Les citoyens rwandais qui sont entrés au Congo, qui sont venus au Congo, à qui on a refusé le vote en 1960, parce qu'ils étaient réfugiés. Ils sont venus par où? Par où? Ils s'appellent les Banyamulenge. Moulengue. Ils sont venus par Moulengue. Ils sont combien aujourd'hui à Moulengue? Et pourquoi ils sont déplacés jusqu'à Minembwe? Mes frères et sœurs du FCC, je vous dis, s'il vous plaît, n'aidez pas M. Kabila à matérialiser son projet qu'il a amené ici avec l'Ardenne. Il ne faut pas. Nos tombes à nous tous seront profanées par nos arrière-petits-enfants. Parce qu'on aura, vendu ces pays. Je vous le dis et je pèse mes mots. Et vous savez ce qui se passe à Minembwe. Vous savez ce qui se passe à Ituri aujourd'hui. Vous savez ce qui se passe à Beni, à Butembo, à Rutshuru, à Masisi, à Walikale. Vous le savez très bien. Et pourquoi vous, membres du FCC, qui êtes là avec Kabila, vous ne levez pas le doigt pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe? Pourquoi votre complicité? Pourquoi votre silence? Et ça, c'est très important. Donc, j'aimerais dire à mes frères et sœurs, nous avons un pays qui nous a été légué par nos ancêtres. Les gens se sont battus. Lumumba a perdu sa vie et beaucoup d'autres ont perdu leur vie. Et nous ne pouvons pas, nous, contemporains, voir ce pays aller ailleurs. La subtilité de nos amis, c'est de dépeupler nos contrées par des populations congolaises et repeupler par des populations rwandaises. Et vous allez voir, ce n'est pas un projet de 5, 10, 15, 25 ans. C'est un projet qui doit durer. Un jour, on viendra ici, on vous dira référendum d'autodétermination. Donc, chers frères et sœurs, ressaisissez-vous pour que nous puissions rebâtir notre pays. Je parle maintenant au mouvement citoyen, à la société civile. Je félicite les mouvements citoyens. Grâce à ces mouvements, qu'il y a ces réveils de conscience, cet éveil de conscience. Et grâce à ces mouvements citoyens qu'on voit que le peuple, de temps en temps, se dit, mais tiens, l'espoir n'est pas perdu. Continuez le travail. S'il vous plaît, chers frères et sœurs du mouvement citoyen, ne dérapez pas. Ne soyez pas tentés par la corruption. La société civile, faites un travail intéressant, mais ne soyez pas partisans. Ne soyez pas partisans parce que quand c'est la personne que vous aimez et que vous soutenez, vous vous taisez. Et aujourd'hui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas les silences de la société civile sur ce qui se passe à Minembwe. Je ne comprends absolument pas. Je ne suis pas, moi, de l'opposition républicaine ou tout ça. Je ne comprends pas comment est-ce qu'aucun membre de la société civile n'a pas encore demandé la démission de M. Rouberoy. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. M. Rouberoy n'a pas sa place. Il n'a pas sa place. Dans ce gouvernement, même s'il est illégitime, il n'a pas sa place pour désarticuler les Congos. Des gens ont perdu leur vie ici. Et quelqu'un vient s'amuser de nous, et nous sommes Congolais. J'entends les gens dehors, là-bas, crier. Mais vous criez pourquoi? Votre voix, ça sert à quoi? C'est le moment de se battre. C'est le moment de se battre pour défendre les intérêts de ce pays. Vous avez des gens que vous envoyez en Europe, aux États-Unis étudier, avec des bourses. Et ces gens ont des passeports congolais, mais ils ne parlent aucune langue du Congo. Et vous trouvez ça normal? Et vous vous taisez ici? Vous dites que moi je suis tel, je combats Fayoul. Vous combattez pourquoi?
Vous combattez pourquoi? Parce que, comme disait James Tshisekedi, on vous distrait, vous voulez les massolos, et c'est ça les massolos qu'on vous donne, surtout vous les journalistes. Chers amis, regardez-moi en face. Je n'ai 64 ans dans deux mois. Ok? Il n'existe personne sur cette terre des hommes qui m'a donné un franc indûment. Il n'existe pas, il n'existera jamais. Je peux lever la main et vous le dire ouvertement. Googlez, je peux vous donner les pays, tous les pays où j'ai travaillé. Demandez, je pouvais être millionnaire aujourd'hui. Si je ne le suis pas, parce que j'ai craint Dieu. Je parle maintenant à l'élite congolaise. L'élite congolaise a totalement déçu. L'élite congolaise a démissionné. L'élite congolaise, où est l'élite? Où est l'élite? On parle des minimes. Où est l'élite congolaise? Où est des gens qui étaient ici formés par les cardinals Malula? Où est l'élite congolaise? La succession. Il y a des gens chez eux qui travaillent, qui organisent des sessions de formation, des sessions pour expliquer aux gens ce qui se passe. Dieu merci que nous avons le docteur Mukwege. Dieu merci. Et je remercie l'Éternel pour ça. On ne peut pas laisser tous les combats à un seul individu. On ne peut pas laisser les combats à un seul individu. Où est l'élite congolaise pour nous parler de l'apport mapping? Pour qu'on ne parle pas de l'apport mapping. Où est les journalistes congolais pour parler du rapport mapping? J'ai suivi hier sur Radio France Internationale dans l'émission Géopolis. Géopolitique, les rapports mapping. Comment les Occidentaux maîtrisent ces rapports? Est-ce que nous maîtrisons ces rapports? Est-ce que nous tous nous avons lu ces rapports? Est-ce que nous connaissons les 617 cas de violations, d'exactions, d'atrocités contre les Congolais? L'élite congolaise, récisez-vous. Il ne suffit pas de penser que parce que vous allez gagner 2000 dollars, 3000, 5000, vous avez la possibilité de vous faire cet argent et que la vie se limite par là. Non, la vie c'est 90 millions de Congolais. Le Congo n'est pas la ville de Kinshasa. Le Congo ne se limite pas à 10 000 km² de Kinshasa. Le Congo c'est les 2 345 460 km². L'élite, je répète encore, résiste. Cinquième catégorie, c'est le peuple congolais. Peuple congolais, un peuple merveilleux. Vous avez démontré de quoi vous êtes capable. Vous continuez. Mais continuez, peuple, en tant que peuple, à revendiquer votre identité. Nous devons revendiquer notre identité. Continuez à repousser toute personne qui vient avec ces venins de division, de tribalisme. Tribalisme. On a dit qu'il fallait le tribalisme. Beaucoup de gens que je connais ici, est-ce que vous avez connu ma tribu avant? Maman Bazaï, est-ce que vous avez connu ma tribu avant? Vous savez de quelle tribu j'étais? On se connaît depuis longtemps. Comment on peut simplement dire, voilà, vous êtes des tels. Allez voir dans le Congo central aujourd'hui. Ils avaient dit les Né-Congo. Maintenant, ils commencent à dire qui sont Lungwana, qui sont les gens de Lukaya, qui sont les gens des Cataractes, qui sont les gens des Bas-Fleuves. Vous pensez que c'est sérieux, ça? Vous pensez que c'est sérieux? Qu'on vienne vous instrumentaliser aujourd'hui. Peuple, arrêtez cette affaire. Le tribalisme n'existe pas. Et je cite encore Mobutu, s'il nous a laissé une chose et une seule, c'est l'unité nationale. Et Kolobo manque. Et nous devons travailler. Donc, peuple congolais, des gens qui viennent vous parler du tribalisme, rejetez-les parce que ce sont des gens instrumentalisés sans qu'ils le sachent pour que Kabila et ses amis continuent à passer dans leur projet de balkanisation et de peuplement du Congo. Les derniers ou la dernière catégorie, c'est la communauté internationale. Communauté internationale, je vais la diviser en deux. La première, c'est les Occidentaux. Appelons-les comme ça. Je leur dis, Occidentaux, vous avez vu que vous étiez dans l'erreur totale. Vous avez soutenu cette coalition FCC Cash qui n'a pas gagné les élections. Et aujourd'hui, vous devez vous rendre à l'évidence que ils ne peuvent nous, donc les gens, les membres de cette coalition ne pourront nous mener nulle part.
le pays sombre. Vos concitoyens payent leurs impôts et ces impôts servent en partie à financer vos projets de coopération. Mais n'est-ce pas, vous avez dit, nous ne voulons plus d'aide, nous voulons du commerce. Les Américains, ils ont dit ça. Comment nous pouvons nous développer tout le temps avec les aides? Il y en a qui se targuent en se disant, oui, mon pays met chaque jour qui passe $1 million dans ces pays. Mais mon pays, le Congo, peut se faire 100 fois plus que ça tous les jours. Vous avez compris que vous êtes dans l'erreur et nous vous demandons, je vous demande, s'il vous plaît, de vous ressaisir. Monsieur Félix Tshisekedi ne nous amènera nulle part. Il est incapable d'amener ce pays là où nous voulons l'amener, où le peuple veut qu'il aille. Et vous le constatez. Personne d'entre vous n'est dupe, mais vous ne voulez pas le dire aujourd'hui. Je vous demande de prendre des décisions, de nous aider à sortir de cette crise. Il y a des solutions. Nous avons parlé dans la déclaration de Lamuka, nous voulons des réformes institutionnelles, notamment au niveau de la loi électorale et de la commission électorale. Nous avons besoin de ces réformes le plus rapidement possible pour aller aux élections. On ne peut même pas attendre 2023 parce que ça, c'est faire souffrir le peuple congolais. C'est la rentrée des classes aujourd'hui. On a parlé de la gratuité de l'enseignement. La communauté internationale, vous avez dit, oui, on voit quelques lueurs d'espoir parce qu'il y a la lutte contre la corruption. Je vous pose la question, M. Kamere est où? Il est toujours en prison? Chez lui. M. Kamere, on a parlé de $66 millions. Il a déjà restitué combien? Le projet de 100 jours, plus de $400 millions. L'équipe technique qui travaillait avait pris 5%. Et les 5%, certains d'entre eux avaient dit qu'ils pouvaient remettre. Est-ce qu'ils ont déjà remis? Est-ce que vous avez vraiment un état de droit où il y a la justice maintenant? Est-ce que les cachots de l'ANR sont fermés? Communauté internationale, les saisissez. Communauté internationale, partie africaine. Les pères de l'unité africaine, de l'union africaine. En 1963, quand ils ont créé, ils avaient une vision pour ces continents. Et nous avons besoin des continents. Nous avons besoin de vous en tant que frères et sœurs. Ne laissez pas les Congos. Ne pensez pas que les Congos démantelés est une solution pour l'Afrique. La charte de l'Union africaine est très claire. Ne venez pas nous dire ici que nous tous, y compris les Occidentaux, nous travaillerons pour que le Congo garde ses frontières de 1885. C'est un langage que nous comprenons. Et c'est un langage de saupoudrage. C'est un langage pour mettre le beurre sur les lèvres, du miel sur les lèvres. Parce que la balkanisation a pris notre forme. Union africaine, s'il vous plaît, ressaisissez-vous, aidez les Congo à aller de l'avant. SADC, s'il vous plaît, monsieur, mesdames de la SADC, faites comme la CDAO pour que nous puissions travailler main dans la main et amener l'Afrique là où le monde entier l'attend. Voilà, chers amis, le message que j'avais à ces 6 catégories des membres de la communauté mondiale, de la communauté humaine, pour que nous puissions tous nous ressaisir et construire un pays, le pays, ces pays de nos ancêtres, main dans la main. Merci, je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nadia Senghor, parce que Batoué Maninga Gambo qui est un boulot mal amusé, nous avons beaucoup parlé, mais il y avait tellement du sérieux, il y avait tellement du sérieux que le lot vous avez suivi. Je pense que dès à la discours, il y a le coordonnateur sortant, M. Mouzik, et à la président Martin Fayoul, Molandi. Comment à responsabiliser Bissot? Parce que Binoba journaliste est besoin de responsabilité, mon Makassi, Bissot intellectuel, Bissot Nyonson, de façon générale, nous avons une responsabilité. Quand vous avez un discours à voyer, vous voyez qu'on peut s'envoler la peau dans le Congo. Mais toujours ça va dans le Congo. Si vous voyez qui, oh, on va faire ça qui est 10 millions, on va faire ça 7 millions, mais ma réseau Nyonson s'est enflammé. Mais maintenant que Minembwe est en train de partir, ils sont très peu. Oh, bah, Zolo Bela, Minembwe.
ils sont très peu. Vous êtes le quatrième pouvoir. Vous êtes le quatrième pouvoir, Yamboka. Mais regardez ce qui se passe autour de vous. Regardez ce qui se passe autour de nous. Je pense que bah, responsabiliser du sort et nous allons nous déployer pour le Congo. Merci. Merci. Après ces mandats.